Vocês partaram, pá! Nous sommes à la rencontre d'un nouveau club de futsal dans l'aire toulonnaise, hier en salle. Bonjour Samir, président. Bonjour, bonjour Régis. Bonjour Marc Barca. Bonjour Régis. Alors, présentez-vous un petit peu avec cette essence. Ben voilà, je suis président de hier en salle. Ben voilà, moi je suis un joueur de hier en salle. Alors, ce club, il est des camps. Ce club, il a été créé l'été dernier. C'est parti d'une bande de collègues et le club s'est ouvert et on a accueilli pas mal de personnes de tout hier pour faire hier en salle. C'est un amour du ballon, un amour du jeu. Depuis petit on jouait tous ensemble au foot. On s'est intéressé un peu au futsal, ça nous a plu, on en a joué en salle, on a fait des tournois, tout ça. Et du coup on a dit pourquoi pas créer un club et ça y est, aujourd'hui, 2014, hier en salle a pris naissance, 2013-2014 en salle. Alors, quel est un peu le mot du président pour, suite à cette création, ce championnat régional C'est départemental. Départemental, comment ça se passe un petit peu? Pour l'instant, ça se passe très bien. Les joueurs sont présents, il y a du sérieux à l'entraînement. Ça se voit sur le terrain, les résultats sont là, on est deuxième pour l'instant. Et voilà quoi, pourvu que ça continue. Donc tout le bonheur du monde pour hier en salle. On est très content. Hein, est-ce qu'on pourrait un peu rappeler un peu les joueurs qui composent cette équipe 1 L'équipe 1, elle est composée de... déjà on a notre gardien Eric Frigeni, qui est un très bon gardien. On a un très bon défenseur Zakaria. On a Stéphane aussi qui nous gère derrière. On a Madjoubi devant qui assure aussi. Il y a pas mal de joueurs, je peux pas tous vous les détailler, mais il y a un bon groupe qui est là, qui est solidaire et qui répand sur le terrain. Donc 2014 commence, la trêve de l'hiver vient de se terminer. Alors quelle est en mise en bouche reprise championnat un petit peu? La reprise s'est très bien passée. On a repris l'entraînement lundi. Les consignes restent les mêmes qu'au début. Travailler le sérieux. Et puis voilà, après. Un derby à l'horizon? Il y a un derby samedi, on reçoit l'équipe du futsal hierrois. À quelle heure? On le reçoit à 18h au gymnase du Golf Hotel. On lance un appel aux supporters, aux spectateurs? Avec plaisir, hein, nous on est contents quand on voit des personnes qui viennent regarder le match, qui prennent du plaisir à voir des jeunes jouer au ballon. Donc ceux qui veulent venir sont les bienvenus et on est ouvert à tous. Et après ce derby à l'horizon? Après ce derby, on reçoit Carquéran de futsal. Belle équipe. Une bonne équipe aussi. On reçoit l'équipe 2, une bonne équipe 1, qui est en régional. Et après, on se déplace à Rodeillac. Sur Toulon. Et pour finir à Solliès aussi, qui est premier, qui est leader du championnat. Pour la fin des matchs aller. Tu as tes côtés, Marc. Comment tu le sens, ton joueur là? Comment il se sent dans ce club là? Très bien, je me sens très bien. C'est une émotion particulière d'être dans un club qui se construit, qui naît. Oui, c'est une émotion particulière car c'est construit avec des potes, ce club. C'était même une idée qu'on avait sur un retour d'un tournoi de futsal à Digne, les Bains. On en a parlé et on a eu du temps et... Ce club s'est créé, les résultats, comme le président a dit, les résultats sont là. On a un groupe collectif de qualité. Et j'ai confiance pour 2014. J'espère que au bout de cette création, il y aura la montée. Alors pour un joueur de futsal, quelles sont les trois qualités nécessaires pour être un bon joueur de futsal? Respecter les consignes du coach. Respecter les consignes du coach. Être sérieux sur le terrain. Et être solidaire. Être solidaire et combatif sur le terrain. Le président, est-ce qu'il a un autre mot à rajouter? Ce que j'aurais à rajouter, déjà je remercie toutes les personnes qui nous soutiennent. On remercie l'Amérique pour nous avoir accordé ce créneau, le district du Var, la Fédération française de football, TPM et tous les joueurs qui sont là, qui nous font plaisir quand on les regarde jouer. Et voilà quoi, Inch'Allah que ça continue, le staff est derrière tout.
une pensée particulière parce que nous sommes passés tout à l'heure par le Val des Rougières, qui est un peu l'état-major. Le club, il est né là-bas, donc la plupart des joueurs sont du coin. Le club aussi comporte de nombreux joueurs de nos différents quartiers. Le club est né là-bas. C'est une petite fierté quand on joue, quand les personnes s'identifient un peu aussi à ce club. Et on joue un peu aussi pour le Val des Rougières. Autrement, quels sont vos cris de guerre quand il y a une victoire ou quand un club qu'est-ce que la team, la Dream Team chante? Je laisserai mon collègue vous faire. Alors le cri là, le petit cri là. C'est quel est le mot d'ordre des Spartiates? C'est voilà. Eh ben voilà, Spartan Race, des combattants. Bienvenue dans cette saison de futsal qui va en appeler d'autres. Autrement, pour la saison donc prochaine, parce que c'est un peu court, c'est un démarrage, il y aura une équipe 2 bien sûr aussi qui va se construire. Si Charles, il y a une montée, on a l'ambition de créer une équipe 2 pour pouvoir faire profiter plus de monde et voilà, que tout le monde prenne du plaisir à jouer, aussi à apprendre le futsal. Un dernier mot, votre coach? Le coach, comment il s'appelle? Ahmed. Franchement, Ahmed, il fait un travail remarquable. On est très content. J'ai rien à dire. Chapeau. Donc le président, il est fier de ses troupes. Ahmed, honnêtement, il n'y a rien à dire. C'est le gars, franchement, pour moi, c'est l'un des meilleurs coachs. C'est le meilleur coach que j'ai connu, de toute façon. Pour moi, c'est Ahmed. Donc, nous allons voir tout à l'heure et que nous aurons une interview technique plutôt ballon, pratique, etc. Un dernier mot, président. Auprès de vos co-présidents de ce championnat. Je vous souhaite une bonne saison, de la réussite et que le meilleur gagne. Et la joie du ballon et du jeu pour cette saison. Oui, et que voilà, que tout se passe dans le respect, dans le respect des règles et le respect des joueurs et que dans la bonne entente. C'est du ballon, c'est du jeu, donc ça sert à rien de s'embrouiller pour calmer les tensions. On pourra dire vive à Hierensal. Hierensal, bien sûr, toujours Hierensal, hein, c'est notre blase hein, maintenant, on est là. Hein. Voilà. On est là, on veut montrer qu'on est un club hein, et qu'on est là pour. Vous allez faire de grandes choses dans le football. On espère. Mais écoutez, on vous remercie infiniment. Merci, et Régis, en tout cas, on vous dit à bientôt sur le terrain et tout le bonheur du monde. Merci Régis, en tout cas. Je suis Spartan ou pas? Hey! Hey!